Pour l'une de ses premières sorties officielles, le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a visité le 10 juin 2021 les installations du port autonome d'Abidjan. À l'issue de sa visite, le ministre, qui était notamment accompagné du DG du port autonome d'Abidjan, Yensier, a dit sa satisfaction et fait des annonces dans le sens de l'amélioration de la production halieutique. La Côte d'Ivoire est le premier port tonnier d'Afrique. Il faut le relever avec beaucoup de fierté. Et nous sommes venus constater cela, la qualité du travail qui est effectué dans ces différentes infrastructures, les différentes usines, mais aussi l'intégration de toutes ces différentes ressources humaines passionnées et volontaires et engagées. Aussi toutes ces femmes, parce que la majeure partie des emplois ici sont tenus par les femmes. Ceci est à l'honneur de notre pays. Il y aura des démarches à faire pour pouvoir intégrer plus d'Ivoiriens dans le secteur. Il y aura des démarches à faire pour maintenir ce cap de premier port tonnier, mais aussi il y aura beaucoup de démarches à faire pour que nous puissions continuer à exceller. Pour sa part, le directeur général du port autonome d'Abidjan a également donné des assurances. Aujourd'hui, des espaces sont créés. Je pense que déjà, si vous leur demandez, ils vont vous dire un peu combien ils sont satisfaits. Il y a beaucoup d'avancées depuis 2011 et j'en suis satisfait. Mais le problème va se poser encore parce qu'en termes de capacité de stockage, ils en voudraient davantage. Et l'interface ville-port est telle que les espaces aujourd'hui, ce n'est pas facile à trouver. Et dans le cadre de l'extension du port, dans le cadre de l'extension du port sur les réserves foncières derrière le canal de Vredi et l'île Boulay, nous aurons sûrement l'opportunité d'offrir davantage d'espace pour satisfaire les besoins en termes de stockage. Le produit qui est mis à la consommation de la population ivoirienne n'a pas de problème, est hygiénique et est de qualité. La première doléance est que nous sommes le cyclosave et nous travaillons de manière quotidienne. Même les week-ends, nous travaillons. Nous avons un problème de véhicule et nous avons signifié cela à Monsieur le ministre. Nous avons aussi le logiciel avec lequel nous travaillons est un peu vétuste. Nous avons aussi demandé au ministre d'actualiser ce logiciel-là.